Ravis de vous retrouver aujourd'hui, je vais aborder un colcaise ancien, ancien parce que il concerne une disparition de 1983, de l'été 1983. La question est simple qui a enlevé le petit Mathieu Holbert Il a disparu sur une route de Haute-Provence à quelques kilomètres de Castellane et des gorges du Verdon. C'est dans ce lieu, grandeur nature et sauvage, que ce petit garçon de 10 ans a disparu. À ce jour, rien. Rien. Ses parents n'ont jamais perdu espoir, mais au fil du temps, rien de nouveau. Toutefois, ce dossier a été confié au pôle spécialisé sur les colcaises. Il y avait bien eu un suspect. Qui a été jugé, mais que voilà, ça n'a rien donné. Ce suspect était surnommé Tarzan. Mais reste que finalement, ce dossier, il n'y a rien du tout. Alors, ce que je vous propose, je vous racontais cette histoire pendant que je battais les cartes, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qui a pu se passer. On sait que Mathieu Holbert euh, se promenait il a disparu sur les routes il était seul. A-t-il été renversé Et puis l'automobiliste aurait pu le cacher, son corps. Mais on se dit, tout de même, il aurait pu être retrouvé. Alors a-t-il été enlevé Mais on n'a jamais retrouvé le corps. Alors regardons. Regardons ce qui a pu se passer. Et la question que je vais poser à l'oracle va être celle-ci. Comment a évolué... Mathieu Holbert, le jour de sa disparition. Comment cette journée a-t-elle évolué pour lui J'ai deux, deux cartes qui sont venues contre, et eh bien je les prends. Alors pourquoi je, je pratique ainsi Pourquoi je regarde un petit peu comment évoluer sa journée La raison est simple, c'est de voir si tout allait bien et qu'il euh, y a eu un accident Est-ce qu'il y a eu une forme de violence sur lui Avant de dire quoi que ce soit, avant de vouloir accuser une personne, c'est d'éliminer la thèse de l'accident. Je reprends tout volontairement à zéro. Bien sûr que les policiers ont dû y penser, bien sûr. Mais ce n'est pas pour douter d'eux, c'est simplement pour reprendre en voyance la totalité de ce qui s'est passé. Et quelque part, vous voyez le départ de cette journée. On a une carte qui est vénusienne, passion, le petit coq. On a l'idée qu'en fait, Mathieu était comme un enfant. Et euh, n'oublions pas que ses, ses parents euh, avaient euh, été des anciens citadins qui étaient revenus à un mode proche de la terre. C'est pour ça qu'on a le coq. Hein. Euh, on a quelqu'un qui Mathieu qui appréciait ce nouveau cadre de vie. Il se sentait bien. Donc, vous voyez que même si ce n'était pas le cas, je ne l'ai pas évoqué, l'affût tout de suite tombe à l'eau. On n'est pas non plus sur un enfant qui était avec des inquiétudes. Donc, ceux qui ont pensé à une piste avec les parents, oubliez, rien à voir. Vous voyez que c'est important de reprendre toujours à zéro et de confirmer certaines hypothèses. Deux choses vont aller contre. Alors, je vais prendre la première carte. Et la seconde. La première nous dit pas de réussite. Visiblement, ça laisse à penser que Mathieu n'a pas eu de chance ce jour-là. N'a pas eu de chance et se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et la seconde chose, on a une personne plus âgée. Alors souvent dans, les, dans ce genre de choses, c'est des statistiques, on pense que les agresseurs ont autour de la trentaine. J'ai le sentiment de quelqu'un de plus âgé. J'ai le sentiment de quelqu'un... Et j'ai dit agresseur, vous voyez, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû utiliser ce mot. Euh, parce que là, en fait, l'oracle nous dit que Matthieu a croisé la route de quelqu'un de plus âgé, je dirais une cinquantaine d'années. Et donc dans le cadre des agresseurs, quand il y a des enfants, on a rarement, sauf erreur de ma part, des gens aussi âgés, même si ça peut arriver. Vous voyez, ce n'est pas le plus courant. Mais lui s'est trouvé sur la mauvaise route, au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est un petit peu ce, ce, cette phrase qui résonne dans ma tête. Mais je vous ferai remarquer tout de même que oui, cette rencontre n'est pas à l'avantage de Mathieu, bien évidemment. Mais regardez qu'il n'y a pas eu de coup. Là, on ne nous parle pas de coup. On ne nous parle même pas d'agression réellement. On nous dit simplement avec les cartes que Mathieu n'a pas eu de chance de se trouver là où il se trouvait et que finalement, il a fait la mauvaise rencontre. Mais... Ce que j'insiste, ce qui est toujours un petit peu paradoxal, on ne nous dit pas qu'il a été tué, par exemple. Vous voyez euh, Ça ne dit pas qu'il est encore vivant de nos jours. Bien sûr que non, ça ne dit pas ça. Mais ça dit surtout que l'intention n'était pas euh, de, de tuer. Et c'est important. C'est important, cette notion-là, parce que on peut avoir... J'évoque tous les cas de figure. On peut avoir un enlèvement. On peut avoir... Euh, pourquoi pas un pédophile qui ne veut pas tuer mais qui veut juste abuser de, de cet enfant On peut avoir l'accident de voiture conduite par une personne âgée. Mathieu s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de volonté ici de, de viser spécialement Mathieu. On a presque l'impression déjà que c'est une forme de circonstance qui, qui occasionne cet enlèvement. Ou cet accident. Alors, je, je regardais un petit peu. Je regardais un petit peu parce que euh, cette carte m'inquiète plus que le reste. Parce qu'ici, quelque part, j'ai regardé comment évoluait la journée de l'enfant. Ici, visiblement, on lui conseille de... En fait, le conseil n'est pas, pas adaptable, tout simplement parce qu'on lui aurait dit de faire autre chose de sa journée, c'est-à-dire, en fait... Euh, d'aller faire des, des de partir aller faire des courses quelque chose d'aller chercher ou du pain où il y a une notion d'argent Vous voyez mais en fait qu'il aurait fait revenir à son point de départ et ne pas emprunter le chemin qui avait été le sien donc là dessus bien sûr que ce conseil n'a pas trop de sens encore une fois il rappelle simplement que Matthieu est au mauvais endroit au mauvais moment par contre ici c'est cette carte ici qui m'embête un petit peu parce que je comprends très bien celle-ci mais cette carte bonheur On a l'impression que que Mathieu la personne qui est là l'aurait fait miroiter des tas de choses. Tout ce qu'on peut faire miroiter à un enfant de 10 ans finalement. Et donc avec cette carte-là, je dirais que Mathieu a été enlevé, on l'a fait monter dans une voiture, mais en lui promettant des choses. En lui promettant monts et merveilles. Tout ce qui peut faire rêver un enfant, un enfant qui n'a pas forcément de méfiance. À 10 ans, il est encore jeune, la méfiance, la vraie vient après. Cet homme s'est parlé aux enfants. Parce que lui, c'est un homme. Il s'est parlé aux enfants. Il a déjà les cheveux blancs. Ce qui renforce mon idée de la cinquantaine. Même si vous me direz, on peut avoir les cheveux blancs à 30 ans, c'est vrai. Mais je reste sur l'idée que cette personne a une cinquantaine d'années à ce moment-là. Il fait monter Mathieu dans la voiture. Mathieu, finalement, n'a pas de méfiance. Il est presque volontaire pour monter dans la voiture. Il ne cherche pas à se débattre. Par contre, ici, c'est une piste tout autre. Car on passe d'un enfant qui n'a pas de méfiance à un enfant qui finalement... Ben, pour moi n'est n'est plus considéré, vous voyez les choses se gâtent d'un seul coup. Il monte volontairement dans la voiture, il pense que tout va bien, il croit en ce qu'on lui dit et la vérité est tout autre. En réalité, on a affaire à quelqu'un c'est pas un pédophile qui a enlevé euh, qui a enlevé Mathieu. On a quelqu'un qui ben, je a vendu Mathieu. C'est pour ça que je n'aimais pas cette carte, cette fin. Il N'a pas été tué Mathieu. Il n'a pas été enlevé pour être tué, ni pour être abusé, en tout cas pas par, par la personne qui a enlevé Mathieu. Non. Mais avec cette carte pour parler ici, avec ce signe martien, Mars, c'est l'agressivité, c'est quand même quelque chose qui est musclé. Euh, on a une idée d'action aussi. Et en même temps, on a l'idée, eh bien, qu'on qu expose Mathieu sur une estrade, c'est schématique bien sûr, et que des personnes disent j'en veux tant, j'en offre tant, etc. C'est toute l'horreur de cette carte. Mathieu a été enlevé par quelqu'un qui faisait partie d'un réseau d'approvisionnement sur du trafic d'enfants. C'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé son corps et qu'on a très peu de pistes. La personne qui a enlevé Mathieu, c'est se fondre dans la masse. C'est la personne qu'on qu peut croiser mille fois, on ne la remarquera pas. Elle est quelconque finalement. Elle inspire confiance aux enfants. Elle inspire confiance aux enfants parce qu'il a un physique, une certaine bonhomie. On a l'impression de, de la personne gentille. Même les parents ne le redoutent pas. Les adultes qui le croisent ne le remarquent pas et parce qu'il qu n'y a rien de remarquable. Il inspire une forme de confiance, mais surtout aux enfants. Que faisait cet homme Alors, bien sûr, je vais remonter à l'époque. Hein. Nous sommes en 83, je vous le rappelle. Que faisait cet homme comme métier à cette époque C'est un travailleur manuel. Il proposait ses services. Voyez cette carte, il proposait ses services. On a l'idée de quelqu'un qui travaille avec un marteau, un maître peut être maçon, menuisier. En tout cas, c'était un métier manuel. Il bricolait, on va dire. Il n'avait pas vraiment de travail fixe. Je ne le vois pas avec un travail fixe tout le temps, mais je le vois proposer ses services. À l'époque, les entre... auto-entrepreneurs n'existaient pas, vous voyez, ou oh, en tout cas si j'ai bonne mémoire. Mais ça aurait été hier, j'aurais dit il est auto-entrepreneur. À l'époque, pour moi, c'est quelqu'un qui propose ses métiers en 83. Euh... Il faudrait rechercher dans la région qui proposait ce genre de, de, de travaux, de petits travaux, de presque de débrouillardise. Quelle carte représente l'endroit où est allé Mathieu C'est un endroit difficile, un endroit où on se battait, un endroit où il y avait la guerre en 83. Qu'a-t-il fait là-bas On a bien un enfant qui a été acheté pour satisfaire... C'est vraiment l'enlèvement. Il n'a pas été abusé sexuellement. Vous voyez, tout à l'heure, je disais qu faisait que celui qui enlevait travaillait pour un réseau pédophile. Oui, mais Mathieu n'a pas été dans un réseau pédophile. A, en tout cas, il a échappé après. Il a été abusé, certes, au départ. Il a été vendu. Mais en réalité, il a été vendu à une famille. Il était jeune, mais limite. Un peu vieux. Disons, c'était trop vieux. Ce n'était pas l'enfant que, que la famille voulait. Mais en réalité, la famille avait perdu son enfant. Elle voulait un enfant de remplacement. C'est pour ça qu'ils ont accepté euh, Mathieu. Alors, je vais me poser la question c'est comment a évolué Mathieu depuis son enlèvement Il s'est battu, il ne voulait pas au départ. Il a créé beaucoup de problèmes. Mathieu était rebelle à tout ce qui se passait. Il était conscient, et c'est vrai que dix ans, un enfant, il a conscience de ce qui se passe. Il voulait retourner d'où il venait. Il ne s'est pas laissé faire, très clairement. Mais on l'a enfermé. Avec les pénates, c'est vraiment l'idée de, de l'enfermement, de, de, on le retient. Et ce n'est pas parce que les personnes qui l'ont accueilli au sein de la famille ont eu de l'affection pour lui que Mathieu, finalement, euh, a été volontaire à accepter les choses. En tout cas, dans un premier temps, pas du tout. On l'a enfermé très longtemps. Parce que les pénates, c'est l'enfermement, le, le, c'est l'intérieur. Et puis, quelque part, l'angoisse. On ressent les angoisses avec le lunaire. Il aurait fallu une nouvelle naissance dans cette famille pour que, quelque part, il laisse partir Mathieu. Mais à quel prix et dans quelles conditions Il est toujours resté attaché. Il est toujours été. Il a. C'est un enfant qui est resté prisonnier de cette famille. On a l'impression d'un enfant qui a été acheté pour presque devenir la poupée de la famille. Vous voyez, ou l'enfant qu'on aime, mais qu'on garde, qu'on ne laisse pas sortir. J'arrive pas trop à expliquer les choses et regardez, le temps a passé. Le temps a passé et Mathieu est resté au sein de cette famille. Il est resté tout le temps prisonnier, tout le temps enfermé. Il n'a jamais, jamais pu sortir. Alors il y a deux choses. Hein. C'est euh, cette famille qui était dans un... Je vous dis à l'époque, elle était dans, une, dans un pays en 83 où on, où on avait de la guerre, où on se battait. Mais en même temps, qui est devenu le personnage qui a enlevé Mathieu. Parce que lui aussi, il serait bon de faire le point sur cette personne. Alors, je sais la question que vous me posez. J'ai volontairement omise pour vous laisser réfléchir. Vous vous demandez mais où il est maintenant Est-ce qu'il est toujours vivant Pour moi, la réponse est oui. Mathieu est toujours vivant et toujours retenu au sein de cette famille. Ce sont des gens, des gens âgés qui auraient dans les 80-85 ans. Et ils détiennent toujours Mathieu. Mathieu qui a une forme de résignation. Comme vous l'avez vu avec la carte despotisme, il a baissé la tête, il n'a il plus le courage de se révolter, il ne sait même plus ce que c'est. Mais il est toujours en, en vie. Maintenant, je m'intéresse à la personne qui a enlevé Mathieu pour le vendre. Qu'est devenue cette personne Comment a évolué cette personne au fil des années après cet enlèvement Quelqu'un qui voyait, je vous disais que c'était quelqu'un qui prenait des petits boulots à droite, à gauche. Il a continué à avancer comme ça dans la vie. Il ne savait jamais où il allait. Il ne savait pas de quoi était fait le lendemain. Et là, vous voyez, quelque part, rien n'arrivait de nouveau dans sa vie. Quelqu'un qui a une vie très monotone, je dirais. On leur aurait conseillé d'améliorer les choses, mais je ne vais pas m'attarder sur le conseil, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui, de toute manière, est resté seul dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui a eu une famille, lui il s'est pas marié. À aucun moment, il n'a pas eu d'enfant, il ne s'est pas marié, il est resté toujours seul. Il a fini en EHPAD. Il a fini en EHPAD, il a terminé ses jours en EHPAD. Ou dans une maison de retraite, peu importe le nom qu'on lui donne. Mais vous voyez cette carte à appui avec une carte jupitérienne, c'est vraiment l'idée de l'aide, il a fallu qu'il reste comme ça. Lui est décédé, puisqu'il a fini ses jours en EHPAD ou en maison de retraite. Bon, bien triste histoire, bien triste destin que celui de Mathieu. Alors je vous souhaite euh, une bonne semaine. Je n'aime pas ce, ce tirage, je vous dirais franchement, je n'aime pas. Euh, il est extrêmement... Euh, pénible je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo et en attendant je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous